bien moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2023. Déjà je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2023 à tous et à toutes. Plein de bonheur, de réussite, la santé avant tout. Ça fait trop bizarre de se dire que c'est la première vidéo de l'année 2023. Et ça fait aussi très bizarre de se dire que ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube. 4 ans que j'ai posté ma première vidéo et franchement je m'en rends toujours pas compte. C'est trop bien. C'est vraiment un bonheur, la chance que j'ai de pouvoir du coup partager tout ça avec vous. D'ailleurs on a atteint la barre des 130 abonnés et je suis beaucoup trop contente parce que j'étais à 129 et j'espérais vraiment dans les jours qui suivaient d'atteindre les 130 et je les ai enfin atteints. Du coup je suis beaucoup trop contente, donc franchement merci beaucoup. Bisous à la personne du coup qui m'a fait les 130 abonnés et qui m'a aussi fait le 16e like à ma dernière vidéo de mes cadeaux de Noël. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, je fais ma petite pub, ma petite promotion. Bref, je vais peut-être aborder du coup le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de 2023 parce que ça va être une vidéo comment bien commencer l'année 2023 où je vais vous donner du coup des conseils, des astuces et tout. Donc on va aborder du coup le sujet de moodboard, donc mon ordi est juste derrière moi mais je ne m'enlève pas parce que vous allez voir un brin de moodboard, je ne veux pas que vous voyez. On va aussi parler du coup de carnet de souvenirs de vacances. Et je vais aussi du coup vous donner des astuces, des conseils par rapport au tri, à l'organisation, au rangement. Et je vais aussi apporter le mot résolution, même si personne ne les tient chaque année. Et je tiens aussi à rajouter que j'ai déjà fait cette vidéo, mais au moment du montage, je me suis rendu compte qu'elle durait 30 minutes. Et 30 minutes, c'était clairement impossible pour moi. Donc là, j'espère que cette vidéo va durer au moins 15 minutes, ça serait l'idéal. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vais déjà commencer du coup par vous parler des résolutions. Alors cette vidéo c'est vraiment une vidéo à la rage. Alors je n'ai absolument pas fait la trace du coup sur une feuille. Donc je vais vraiment essayer de dire mes idées comme ça. Mes idées en fait elles vont sortir toutes celles de ma tête. Donc voilà. Donc la première résolution avant tout c'est de prendre soin de soi. En 2022 vous n'avez peut-être pas assez pris soin de vous. Prenez soin de vous. Par exemple, je parle surtout par rapport aux beautés. Faites des masques une fois par semaine. Hydratez bien votre peau quand vous démaquillez. Essayez du coup de bien vous démaquiller. Si vous avez de l'acné, traitez du coup vos boutons d'acné. Après, si vous avez la peau sèche, n'hésitez pas aussi à mettre du lait pour le corps. Sur le corps, c'est très très important du coup de prendre soin de soi. Donc voilà, et aussi par exemple de se laver du coup les cheveux une fois par semaine, si vous les lavez un petit peu plus en 2022, essayez de mettre, enfin genre de faire en dessous en 2023 parce que personnellement je trouve que plus d'une fois par semaine ça fait un petit peu trop pour des cheveux parce que plus vous les lavez et plus ils vont graisser et du coup je trouve ça vraiment hyper chiant. Donc voilà, donc aussi la deuxième résolution ça va être du coup tout simplement de faire du sport, donc c'est très important du coup d'avoir un équilibre par rapport à la santé. Donc, qui dit sport dit que vous n'êtes pas forcément obligé d'aller à la salle de muscu. Mais si vous allez en salle de sport, du coup, essayez de faire des exercices appropriés pardon, à ce que vous souhaitez désirer. Par exemple, si vous souhaitez plus travailler au niveau des abdos, il faut vraiment faire des exercices pour les abdos. Si c'est plus par rapport aux bras, par rapport aux muscles, du coup, ça va plus être du coup, des machines par rapport du coup. Pour vous muscler les bras, voilà, j'essaye de trouver les mots. Je suis désolée, cette vidéo est faite à l'arrache, je me crois que toutes mes vidéos elles sont comme ça. J'ai jamais eu une trace dans mes vidéos, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, vous pouvez aussi du coup faire du sport, pas forcément en salle de sport, par exemple du sport à part. Hein. Bon, je sais, les inscriptions elles ont déjà été faites, mais vous pouvez aussi faire du coup du sport chez vous. Vous avez plein de vidéos sur YouTube, plein de vidéos d'entraînement, vous pouvez du coup faire du sport chez vous. Il y en a souvent qui l'ont fait au confinement, même si on n'est plus au confinement, vous pouvez quand même le faire avec des tapis et tout, enfin voilà. Moi personnellement je sais que je fais de la danse depuis la rentrée, donc je fais du modern jazz. C'est un sport de quand même où on bouge, qui est très rythmique, mais c'est vraiment un sport qui me correspond, qui me va. Parce que j'ai jamais trouvé un sport qui me correspondait et je savais très bien que la danse ça allait forcément me plaire. Puis le modern jazz c'est pas forcément du classique où on reste vraiment, on va dire figé. On peut vraiment du coup bouger et on peut vraiment bouger le corps. Et c'est quand même genre si on essaie du coup de faire parler notre corps en fait, avec les mouvements et tout ça, tellement très beau, très artistique. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça me correspond énormément. Donc ensuite, en 2023, n'hésitez pas du coup à faire des
moodboard, mais du coup je vais vous montrer du coup ce que c'est juste après, mais du coup n'hésitez pas à faire ça, vous allez comprendre. N'hésitez pas aussi du coup à faire un carnet de souvenirs du coup pour rassembler tous vos souvenirs de l'année 2023, comme ça fin 2023 vous regardez tout et ça peut vous rappeler des souvenirs incroyables. Si par exemple dans votre carnet vous avez mis plein de photos de vos copains, de vos potes, n'hésitez pas du coup à les appeler en mode oh tiens, par exemple je dis n'importe quel prénom, oh tiens Maëlys, tu te rappelles de ce qu'on a fait là, à telle heure, à tel endroit, vous voyez, ça peut aussi rappeler des souvenirs à votre pote, donc ça peut vraiment être bien. Ensuite n'hésite pas du coup à tenir un planeur ou un bullet journal, mais tout ça je vais en parler après, mais je voulais juste commencer du coup à aborder le sujet. Voilà. Ensuite dans les autres résolutions que je pourrais vous donner en 2023, du coup c'est éviter de manger tout ce qui est McDo, fat food, c'est vraiment pas bon pour la santé. Bien sûr que vous faites comme vous voulez, mais pour moi les fast food, c'est pas ce qu'il y a du coup de meilleur. Si vous faites un hamburger maison à la maison, pour moi, bah du coup c'est pareil. Donc ensuite du coup n'hésitez pas aussi à boire, mais vraiment boire de l'eau parce que c'est meilleur pour les reins que par exemple du coca. Après il y en a qui n'aiment pas les boissons gazeuses, donc du coup c'est bien parce qu'au final le corps, le coca c'est pas forcément ce qu'il aime, il préfère l'eau, c'est meilleur pour les reins. Voilà. Aussi, aussi le dernier truc que je tenais à me préciser du coup, c'est aussi arrêter de fumer et de boire. Fumer, ça nuit vos poumons. En plus, la personne qui respire la fumée, bah, c'est encore moins bon pour elle. Arrêtez de boire, franchement. Peut-être que c'est bon au goût, mais c'est pas bon pour votre santé. L'eau, même si ça a pas de goût, c'est meilleur pour votre santé, vous voyez. Genre l'eau, ça a peut-être pas de goût, mais c'est meilleur pour votre santé. Mais genre l'alcool, ça a peut-être un goût, mais c'est pas bon pour la santé, vous voyez. Donc c'est l'inverse. Et dernière résolution que je tenais quand même à dire, c'est pensez à vous et pas aux autres. Si les autres ont des problèmes, réglez-les, mais si elles vous donnent rien en échange, voilà, bah c'est nul. Du coup, vraiment, pensez à vous en premier, mais pensez aussi aux autres, c'est très important. Et surtout en 2023, prenez soin des gens que vous aimez, de vos proches. Vraiment, prenez soin de vous, parce que pour eux, c'est leur plus beau cadeau de vous avoir. Du coup, voilà. Donc, moi, j'arrête de blablater sur les résolutions, parce qu'on est déjà à 5 minutes de résolution et ça commence à faire beaucoup. Et maintenant, on va parler du coup de moodboard, donc je vais pas vous montrer, il est juste derrière moi, j'ai trop hâte de vous le montrer, donc let's go. Ça y est, du coup je suis devant mon ordinateur, je vais pouvoir du coup vous montrer mon moodboard, mais avant je vais vous expliquer du coup ce que c'est qu'un moodboard. Donc un moodboard, ce sont tout simplement des images qui vous représentent, ou tout simplement des images que vous aimez. Par exemple, si vous mettez en fond d'écran, vous allez pouvoir du coup voir ce fond d'écran, soit sur votre ordi, soit sur votre téléphone, vous mettez où vous voulez. Ça vraiment vous permet du coup de vous motiver, parce que normalement ça sert à ça. Alors moi, toutes les images vont pas forcément me permettre de me motiver, par exemple j'ai mis des choses que j'aimais, par exemple des chaussures, ça va pas me motiver, mais par exemple j'ai mis une image de danseuse et ça va me motiver à aller plus loin en danse. Comme je vous ai dit, je pratique de la danse, surtout que j'ai un spectacle de fin d'année, donc ça va permettre vraiment de me motiver, sachant que je suis souvent mon ordinateur pour les cours, pour mon rapport de stage, pour les travaux, du coup les DM que j'ai à rendre, souvent genre je les fais à l'informatique et pas forcément à la main. Donc voilà, non, maintenant du coup je vais vous montrer mon moodboard. Donc voici du coup mon moodboard. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir vous le montrer, c'est la première fois que je fais ça. Et j'avais oublié de préciser, vous pouvez faire du coup votre moodboard avec Canva. Moi j'en avais fait un sur Picolège, mais c'était plus un fond d'écran. En fait, je dis que c'était un moodboard parce que du coup j'avais rassemblé plusieurs images, mais c'était que des images de Noël et du coup je pouvais pas appeler ça un moodboard. Mais là on peut vraiment appeler ça un moodboard parce que c'est vraiment plein d'images vraiment qui, genre, elles se ressemblent pas. C'était ce qui concernait ce que je voulais à la base. Donc voilà. Et du coup, je vais vous montrer du coup pourquoi j'ai pris toutes ces images. Alors déjà la Tour Eiffel, parce que j'y suis allée quand j'étais petite et je suis passée au pied de la Tour Eiffel et j'aimerais bien y aller et c'est ma ville préférée. Ah oui, je dis que c'est ma ville préférée même si je suis pas beaucoup allée. Mais voilà. Ensuite du coup les ongles, parce que j'aime bien du coup les ongles faits et les couleurs pastel. Ensuite le logo d'Instagram parce que je passe ma vie sur Instagram. Ensuite les jeans larges parce que ben, j'aime énormément les jeans larges, c'est vraiment le style qui me représente. Avant non, mais maintenant oui. Ensuite le chaton, parce que mon chaton du coup c'est, enfin les chats du coup c'est mon animal préféré, mais surtout les chatons. Et pourquoi dans le paquet de Pringles, parce que je trouve ça drôle. Ensuite le peigne avec le ciseau, ça représente du coup une image de la coiffure, parce que quand je vais être plus grande je veux être coiffeuse. Ensuite du coup mon ordi allait s'éteindre, oui il me semblait bien. Ensuite du coup la fille qui est en train de danser, parce que du coup c'est là l'entraîneur du coup du modern jazz, c'est la danse que je pratique et je veux vraiment aller loin dans cette danse. Si je peux continuer quand je serai adulte, je le ferai avec grand plaisir. Ensuite les roses, parce que c'est pas parce que j'aime les roses, c'est parce que ma couleur rouge c'est ma couleur préférée.
Ensuite, du coup, le bouquet, parce que bah, je pratique de l'art floral au lycée, donc je sais ce que c'est que faire des bouquets. Ensuite, du coup, le maquillage, parce que bah, je me maquille et bon, je trouvais une image qui rappelle. Alors, le 2023, j'ai mis en rose, c'était pas du tout par rapport à ça. Hein. Je me suis juste rendu compte que l'image, en fait, elle ressortait bien, donc je me suis dit si je la mettais au-dessus. Ensuite, les livres, parce que j'ai énormément lire. Ensuite, là, parce que j'aime bien tout ce qui est organisation. Regardez, là, sur mon bureau, déjà, j'ai plein de rangements, mais je vais en parler juste après. Ensuite, du coup, les bijoux, parce que j'en mets tout le temps. Ensuite, la caméra par rapport à YouTube. Alors, moi, je filme avec mon téléphone, mais je trouve que l'image a été bien. Ensuite, du coup, YouTube pour le logo de ma chaîne. Enfin, pour, par rapport à YouTube et ma chaîne. Le logo de InShot, parce que je fais mes montages sur InShot. Romine, parce que c'est mon influenceuse préférée. Les Black Carbo, parce que c'est mon plat préféré. Les Air Jordan, parce que c'est les Air Jordan que j'ai. Pour ceux qui les ont vus dans ma vidéo, mes cadeaux de Noël. Sinon, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je crois que j'ai déjà dit. Mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, le logo, moi, il est en rouge, mais là, il est en noir, mais je ne sais pas trouver exactement. En fait, il y a trois couleurs dessus et il y a plein de variantes qui existent avec le logo noir, le logo blanc, après le reste en noir, en rouge, enfin voilà, c'est pour ça. Ensuite, le tarte citron meringué, parce que c'est mon dessert préféré, et les livres de Colin Hoover, puisque j'ai eu ce livre à Noël, c'est juste que là, il est qu'en anglais, du coup, c'est jamais plus. Mince, il est là-bas, mais du coup, voilà. C'est que des livres de Colin Hoover, je vais peut-être lire du coup celui-là. Et les autres, je les connais pas. Est-ce que j'aime énormément les livres. Bon, du coup, il y a deux trucs de livres, mais voilà. Et quand je lis, il n'y a pas de bougie à côté de moi. Mais je trouve l'image grave stylée. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez mon moodboard et à me donner une note sur 10. Bon, passons à la troisième chose qu'on va aborder dans cette vidéo. Ça va être du coup le carnet de souvenirs. Donc là, je vais vous montrer le mien. Alors, le mien, il n'est pas complet du tout. Parce que je tiens à vous préciser du coup que dans ce carnet de souvenirs, il va falloir mettre des photos et que moi les photos je les imprime du coup à chaque fin de mois. C'est pour ça que je vous dis que mon carnet n'est pas rempli. Genre je l'ai juste personnalisé, mais du coup là je vais vous montrer. Je vais vous expliquer déjà où est-ce qu'on en trouve, etc. Donc voici le mien. Voilà, donc je vais poser puis je vais vous en parler un petit peu plus. Donc déjà du coup les carnets comme ça, vous pouvez du coup en retrouver chez Cultura. Voilà, alors maintenant du coup c'est un carnet photo, c'est juste que c'est pas un carnet, vous savez, où vous avez des engages pour mettre des photos directement dedans. Vous pouvez coller tout dedans. Donc le carnet il est comme ça. Hein. Voilà. Vous pouvez vraiment coller n'importe quoi. Je vais vous montrer plusieurs détails après, mais je vais vraiment du coup vous dire quoi ça sert, comment faire, etc. Donc déjà ce carnet c'est déjà en fait un carnet où vous allez du coup pouvoir faire par mois, mettre des photos par rapport aux souvenirs, comme ça quand vous le regardez du coup en fin d'année, vous pouvez du coup vous rappeler tous les souvenirs qui s'est passé. Alors même si vous partez pas en vacances, par exemple, vous pouvez marquer des trucs dedans. Alors moi je sais que dedans je pense que j'ai marqué par exemple que j'ai fini le livre de l'atelier de Roxane par exemple, ça peut être une idée, hein, je dis n'importe quoi. Après je pense aussi, là en février du coup j'ai un stage, donc je pense que du coup je vais parler du stage, voilà. Au mois de janvier, vraiment je crois que je dis février, au mois de février j'ai un CCF, donc je marque comment ça s'est passé. Dedans, vous n'avez pas forcément obligé de marquer des photos. Vous pouvez aussi marquer du coup vos impressions, vraiment ce que vous avez vraiment envie de dire en fait. C'est vraiment du coup pour vous, pour libérer en fait l'esprit en fait. C'est un peu comme un journal intime en fait, c'est juste que vous rajoutez des photos et que c'est pas le même format. Que un journal intime c'est comme ça et du coup le truc il est comme ça. Voilà. Au mois de mars, j'ai mon bac blanc. Après au mois de juin il y a le bac, au mois de juin du coup il y a la chorégraphie. J'ai le spectacle du coup de fin d'année de danse. Après... au mois de septembre, je vais du coup partir du lycée du coup, mais je vais me lancer dans la chose du coup dans mon CAP. Oui, il y a plein de trucs comme ça, donc vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Puis après, ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous souhaitez. Donc le 2023, c'est des stickers que j'avais dans mon village journal de l'année dernière. Alors à la base, il y avait le 2 et le 0, le 2 et le 3 séparés. Mais rassemblés, ça faisait mieux parce qu'en fait, si je mettais chaque lettre, on n'aurait pas du tout dit qu'il y a marqué 2023. Et là, c'est plus vrai. Là, j'ai racheté un cœur. Là, j'ai racheté du coup Love et un petit cœur. Alors à la base j'avais mis que là et j'avais racheté le love. Je trouvais qu'en bas ça faisait vide et du coup j'ai ajouté un truc. Et là du coup j'ai marqué, bon ça tient pas longtemps mais ça, et c'est énorme, mais j'ai marqué du coup souvenir 2023. Et à l'intérieur du coup j'ai marqué, alors à la base j'avais marqué du coup janvier, oui. Mais je me suis rappelé du coup que j'avais les mois du coup en français, donc j'ai marqué janvier en dessous. Mais du coup pour les prochains mois je sais pas du coup si j'écrirai les deux ou pas. Mais du coup voilà, mais c'est vraiment du coup des carnets que vous pouvez vraiment personnaliser comme vous souhaitez, voilà. Je pense qu'en fin d'année, je vous ferai un point pour vous le montrer. Alors il y aura peut-être des photos personnelles du coup que je cacherai, mais ça c'est pas compliqué. Mais du coup voilà. Et aussi pour les personnes qui se demandent, j'ai du coup acheté à Cultura dans le rayon du coup. Là vous allez pouvoir retrouver du coup tout ce qui va être le papier craft, je sais pas comment s'appelle le rayon. Mais moi c'est en... c'est dans la caisse en tout cas.
moi dans mon couloir, du coup c'est en face de là où il y a tout ce qui est peinture et tout. Je sais pas comment ça s'appelle le rayon, mais c'est là où vous avez tout ce qui va être du coup album photo pour personnaliser. Vous allez aussi avoir du coup, bah c'est là d'ailleurs je crois où il y a les bullet journal, il me semble. C'est un peu mélangé. Mais moi celui que je fais vraiment c'est un planner que j'espère, un bullet journal, mais du coup voilà. Donc maintenant on va parler du coup de mon planner. Voilà, alors du coup c'est le planner du coup de Just Zoé. Alors du coup je vous montre pas parce que c'est un peu personnel, mais c'est, vous pouvez vraiment remarquer tout ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez vraiment, j'ai remarqué vos objectifs du mois, comme ça à la fin du mois vous voyez du coup si vous les avez atteints. Vous pouvez remarquer du coup vos journées, vos rendez-vous. Et pour les personnes du coup qui en ont pas du temps chargé, c'est que c'est important du coup de les faire. Alors moi je suis ado, j'ai pas une vie famille, genre de marquer par exemple chargé, par, oh là 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 là, maintenant on comprend. J'ai pas un emploi du temps de vie de famille en mode genre de faire les cours, faire le ménage. Je marque juste du coup mon emploi du temps des cours, mais ça me va très bien. Du coup, voilà. Maintenant, on va parler du coup de tout ce qui est tri, organisation. Bon, du coup, ça c'est parti de l'organisation, mais du coup, je vais vous montrer déjà mon tiroir, comment je l'ai organisé, que j'ai un tiroir de bureau que j'ai très bien organisé. Donc, voilà. Voici, il est là. Donc, j'ai vraiment, vous voyez, par exemple, en 2023. Faites des rangements pour votre bureau. Alors moi c'est vraiment des rangements que j'ai tout pris. Ça c'est une ancienne boîte de chocolat. Franchement j'ai réutilisé. Alors là c'est juste une boîte. Normalement ça c'est une boîte pour les toilettes hygiéniques. Mais j'ai des étiquettes et là du coup j'ai mes cartouches d'encre. Alors les boîtes comme ça, ça s'achète très facilement. Alors là c'est un truc de Babybel que j'ai retrouvé. Mais du coup j'ai enlevé le plastique qu'il y avait. J'ai mis ça avec du coup mes gommes. Alors là-bas j'ai toute ma réserve de stylo 4 couleurs. Super. Le stylo 4 couleurs du coup qui fonctionne plus. Enfin le bleu fonctionne pas. Mais j'ai, c'est pas en fait où on achète les recharges. Là-dedans, j'ai des stylos. Et là-dedans, j'ai encore des stylos du coup. Mais ça, vous savez, en fait, quand vous achetez tous les stylos, vous avez déjà le plastique. Donc voilà, pour ce tiroir. Après, donc, bon, il n'y a pas forcément de rangement là-dedans. Mais sinon, vous voyez, ce qui est bien, c'est que quand vous avez dans les tiroirs, franchement, entassez par exemple tout ce qui est dictionnaire. Vraiment, mettez-le d'un côté. Là, j'ai tout ce qui est stickers. Alors là, j'ai plein de stylos forcément qui ne rentrent pas dans mon pot. Donc du coup je les ai tous mis dans une trousse comme ça si vous en recherchez en particulier. Bon forcément vous êtes obligé du coup de fouiller, mais cette trousse me sert bien. Et là j'ai mes crayons de couleur. Et là du coup j'ai toute ma réserve de fiches de révision. Et aussi ce que je voulais vous montrer c'est sur mon bureau. Alors par contre il y a un peu de bordel sur mon bureau, mais faites pas gaffe hein. Du coup j'ai un tiroir comme ça où là en fait j'ai tout ce qui va être du coup coloriage et tout. Mais coloriage c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est surtout là en fait où, du coup j'ai un petit truc du coup de fiches de révision. Voilà, vous voyez, là j'ai toutes mes anciennes fiches mais qui peuvent me servir au bac. Mais je préfère vraiment mettre celles que cette année et celles du coup qui peuvent me servir au bac, les mettre de côté. Et du coup voilà, regardez là-dedans, vous avez plein, j'ai toutes mes fiches. Et franchement prenez un classeur, c'est bien pratique. J'ai même mon livre de code que je me sers pas. Et sinon au niveau des rangements, vous voyez, j'ai vraiment un truc de où je peux mettre vraiment tous mes stylos dans mon pot. Là j'ai tout ce qui est surligneur, tous mes stylos. Là j'ai tout le reste et là j'ai même un petit tiroir où j'ai ma clé USB, ma gomme et mon, comment ça s'appelle, mon blanco, voilà. Au moins c'est bien séparé et là il y a tout ce qui est courrier. Du coup voilà. Bon voilà, du coup je pense que j'ai un petit peu tout dit. J'essaie vraiment de pas trop blablater parce que je sais pas si j'ai dit en début vidéo, mais je vais déjà recommencer cette vidéo. Elle doit être 30 minutes, je me suis rendu compte au montage. Et là du coup elle doit à peine 16-17, mais c'est vraiment très très bien. Par contre je m'excuse pour le cadrage pourri. Mais c'est parce qu'en fait ça fait deux fois que j'ai enlevé mon téléphone, que du coup j'ai enlevé une fois pour vous montrer mon moodboard. Et je l'ai enlevé une deuxième fois pour vous montrer du coup mes tiroirs, l'organisation et tout. Donc en sinon, en parlant du coup de tri et d'organisation, si n'hésitez pas à trier par exemple genre vos placards, par exemple tous les vêtements de printemps qui vont arriver parce que c'est bientôt le printemps, donc c'est un peu l'idéal du coup de vendre les vêtements de printemps maintenant. Comme ça du coup vous faites un tri d'un coup dans les vêtements du coup de la saison printanière. Du coup comme ça vous en avez assez pour le printemps, c'est pas surchargé. Franchement utilisez Vinted, on en entend assez parler à la pub, mais c'est vraiment très très bien. Genre vous vendez, vous faites un petit peu de sous. Et avec ces sous du coup que vous avez dans votre porte-monnaie Vinted, vous pouvez racheter. Et je trouve ça vraiment super cool. Donc franchement, n'hésitez pas à vous mettre à Vinted. Alors vous avez aussi le bon coin, mais le bon coin, j'avoue, ça marche moins bien. Vous avez aussi du coup, sur ceux qui sont Facebook, il y a aussi Marketplace. Voilà, Marketplace, on vend bien, je vous avoue. Mais les arnaques, c'est pas trop cool. Alors Vinted, vous avez forcément moins d'arnaques. Mais par contre, ce qui est, on va dire, bien, c'est que du coup, Vinted, vous vendez, hop, la personne, elle fait... elle met qu'elle veut l'article, vous inclinez le bordereau, vous faites votre petit colis, vous mettez le bordereau dessus, vous l'enlevez dans un point relais, la personne du coup est au courant du coup quand que le colis du coup est arrivé en point relais, puis elle reçoit quelques temps après. Et ce qui est bien, c'est qu'elle peut aussi choisir entre Mondial Relais ou la Poste, et Mondial Relais ça va beaucoup plus vite que la Poste. Donc franchement mettez-vous à Vinted, parce que moi
je sais que je connais, je sais comment ça fonctionne et je sais que c'est bien. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Cinéma Corbet, c'est gratuit. Activez la petite cloche de notification, vous savez toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sortira sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.